Les garçons de l'été, c'est l'histoire d'une famille. A priori, tout ce qu'il y a de plus normal. Mylène, la mère, Jérôme, le père, Thaddée et Zaké, les deux fils aînés, et Isée, la petite dernière. Cette famille, donc en apparence formidable, a tout pour être heureuse. Notamment chez les fils qui incarnent vraiment la réussite. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont brillants. Ils font du surf, plutôt à un bon niveau, mais c'est le surf qui va entraîner la chute de cette famille. Lors d'un stage de surf à La Réunion, Thaddée, le plus âgé, va se faire arracher la jambe par un requin. À partir de ce moment-là, cette amputation va être le symbole de la chute de cette famille. Tous les plus noirs secrets, les plus sombres instincts vont être révélés. Ce livre-là, vous ne le lâcherez plus. C'est un suspense insoutenable. C'est un véritable hommage à Stephen King, aux livres de suspense les plus terrifiants. Peut-être que vous n'endormirez plus la nuit, mais c'est le meilleur livre de votre été.